Qu'est-ce qu'ils ont, les catons? Jonathan! Mais t'es bizarre, toi! Elle est vraiment trop bizarre, cette fille! C'est quoi la signature de mes parents, déjà? C'est pas grave, il va même pas se rendre compte si j'en fais une fausse. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oui, Katia? Vous savez que c'est une fausse autorisation de Zordi parce que c'est elle qui a écrit dessus, hein? Enfant! Ah, j'ai bien dormi. Ce qui est trop bien, c'est que je vais à l'école, mais sauf que je me réveille tous les jours à 8h. Mais Sana, elle commence à 11h, ça se fait pas. Mais en revanche, le mercredi, Sana a la collège. Et pas moi. Bon, maintenant, il ne faut plus que je perde de temps. Je vais direct me préparer. Bon, d'abord, les priorités, les pop-its. Ça, c'est dans mon sac. Je vais prendre la trousse pop-its. Et je vais prendre cette trousse. Ma trousse top modèle. Je prends mes deux cahiers et mon agenda. Et maintenant, je vais m'habiller. Bon, allez, vite! Il faut plus que je perde de temps. Sana, elle a trop de chance, elle est encore en train de dormir. Heureusement qu'il y a mon meilleur ami, le Pop-It. Bon, maintenant, il faut plus perdre trop de temps. J'y vais. Collège. C'est bizarre, je pense à ton doudou. Je me suis snap à la peau doudou. Et j'ai ramené ses copines pour le why. Oh non, déjà, il est 9h. Oh mais non, on commence à 10h. Pourquoi on commence pas à 11h? Ça aurait été mieux, on a juste deux cours quoi. J'ai la flemme. Bon, faut que j'y aille parce que sinon je vais être en retard et j'ai pas encore envie de me taper une heure de colle. Ah mais oui, c'est vrai, Lina, elle est déjà partie à l'école, elle a déjà fini de manger. La pauvre. Bon, faut que j'y aille parce que je vais vraiment finir par être en retard. Entrez. Bonjour monsieur le professeur, désolé pour le retard. Et voilà. Lucas. Ouais. C'est quel exercice qu'on doit faire? Le 5, et pourquoi il est pas là, Enzo? Il a encore dû trouver une excuse. Oh la chance, moi mes parents ils me croient jamais. Je comprends rien. Pourquoi tu me dis d'enlever le pop-it en fait? Bah, je vois pas la réponse. T'es sérieux là? Comme ça, tu verras rien. Pourquoi y a pas Enzo? On aurait pu se raconter des blagues. Hé, Lina, t'as vu mon avion? Ah,
arrête avec ton avion ridicule. Ok, tu l'auras voulu. Je sais que c'est toi qui as lancé une boule de papier sur moi. Quoi? Mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais laisse-moi tranquille quand même, un peu de respect. Mais papa, j'ai rien fait. Oh, oh. Silence. Et c'est bon, toi? Elle m'énerve. Maintenant que j'ai fini mon exercice, un peu de pop-it. Les enfants, allez en récréation maintenant. Yes! Oh! Bonjour, bonjour, professeur. Coucou, ça va? T'es relou, toi. C'est pas sympa. Depuis quand t'es là, toi? Un peu de silence, s'il vous plaît. Ok. Mais t'es bizarre, toi. C'est pour ça que j'aime pas être à côté de toi. Non, j'ai plus de batterie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais lire un de mes mangas, bien sûr. Les enfants, je reviens en 5 minutes, je vais faire des photocopies. Ok. Enfin, tiens, si ça te plaît, moi ça me plaît pas. Pourquoi tu m'as fait ça? C'est juste pour que tu arrêtes de me regarder. Pourquoi tu lis ton livre à l'envers? C'est un manga. Et alors? Elle comprend vraiment rien, cette fille. Mais depuis quand t'as pris mes mangas, toi? T'es trop chelou, maintenant tu touches plus à mes mangas, tu touches plus à moi. C'est bon les enfants, j'ai fait des copies. Un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît. Excusez-moi. Désolé, monsieur. T'as pris mon classeur? T'as pas... S'il vous plaît, un peu moins de bruit. Vous voyez rien, professeur? Elle regarde les mangas. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Nya, pas wesh! Je m'appelle plus Monsieur Leblanc. Je suis Monsieur Atung. Ça suffit, Katia. Ok. Elle est vraiment trop bizarre, cette fille. Wesh! Pars! Pars, laisse-moi! Laisse-moi! Ça suffit, sinon je vous amène voir le principal. Ils ont grave le seum. Sur les neiges, j'essaie de passer incognito. Sur le B, j'essaie de passer. Pépite, youpi, on rigole bien. Avec la doudou et ses copains. Attention, avec la doudou. Bon, ça suffit. Hein. D'accord, monsieur, excusez-moi. Dernier avertissement. Hé, ça va? Tu veux que je te raconte une blague? Non. Bon, ok, je te la raconte quand même. Qu'est-ce qu'ils ont, les catons? Bah, réponds. C'est Jonathan! Jonathan! Oh! Mais t'as pas compris! Jonathan! Mais toi, on la connaît ta blague! Même mon petit frère de 5 ans, il la connaît! On apprend ça en primaire! Ah bon? Je ne le savais pas!
tu me laisses tranquille et tu regardes ta page, je m'en fiche, moi. Laisse-moi. Là, je dis rien, je vais rien balancer. Mais si tu continues à mettre ton coude sur ma table, je vais le dire. Silence, Sana. J'ai déjà dit, c'est la dernière fois. Mais elle met son coude sur ma table. Maintenant, tu es punie. Mais quoi? Mais regardez, là, on a la preuve, là. Laisse-moi. Continue, tu auras une heure de colle. Mais ça se fait pas. J'ai une idée de génie. J'autorise ma fille Sana à quitter les cours à 15h car elle a un rendez-vous. C'est quoi la signature de mes parents déjà? C'est pas grave, il va même pas se rendre compte si j'en fais une fausse. Date, c'est bon, la phrase c'est bon, il y a un point. J'ai oublié de marquer cordialement, non mais sérieux? Voilà. Bah voilà, c'était simple, c'est parfait. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Professeur, désolé, mais c'est un peu tard, mais j'ai oublié de vous donner mon mot parce que j'ai un rendez-vous et du coup je dois sortir à 15h. Très bien. C'est signé par mes parents. Très bien. Je peux sortir? Oui, bien sûr. Merci, au revoir. Au revoir. Maître! Oui, Katia? Vous savez que c'est une fausse autorisation de Zordi parce que c'est elle qui a écrit dessus, hein? Très bien. Elle aura 10 heures de colle. Yes! Merci, monsieur. De rien. C'est l'heure. Tu peux sortir. Elle a 10 heures de colle pour rien. Libérée! Délivrée! Je l'ai mentirée!